pour donc venir voir cette création, cette sortie de résidence. Le spectacle, c'est Magnette, de la compagnie Troisième Loge, qui a été accueillie pendant une semaine en résidence, ici, à l'atelier d'UNES, pour travailler cette création. Alors, la compagnie Troisième Loge, elle a été créée en novembre 2022, ici, à Pau, et elle a été accompagnée aussi par EBB Danse Compagnie et Jean-Philippe Dury, qui est à côté de moi, voilà, et que je remercie aussi, voilà. Qui pourra peut-être dire un petit mot sur voilà, le spectacle et les danseuses. Et voilà, donc sur le spectacle, je vous laisse découvrir. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle création. On est très heureux, nous, l'Atelier d'UNES, la ville de Jurançon, d'avoir accompagné cette création jusqu'à sa finalisation que vous voyez en avant-première. Donc voilà, c'est la toute première. Je donne la parole rapidement à Jean-Philippe. Merci. Bonsoir, merci à tous d'être présents. Et en fait, je voulais d'abord remercier Corentin et la ville de Jurançon pour cette magnifique initiative. Je pense que c'est la première résidence chorégraphique, presque la première. D'autant plus honorée que, en fait, c'est une danseuse de la compagnie qui a commencé avec moi à Lusbron et maintenant qui est chorégraphe. Donc, en fait, c'est un peu la relève et c'est tout simplement magnifique de voir l'évolution des danseurs quand ils deviennent chorégraphes. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est accompagnée de six magnifiques danseuses. C'est une première pour elle, c'est sa première full length, une heure. J'espère que vous allez en profiter comme moi j'ai pu profiter des répétitions. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, merci encore. Merci beaucoup. N'oubliez pas les téléphones aussi, attention, hein, ceux qui ont oublié, hein, en silencieux, voire éteint. Merci, bonne soirée.
Thank you.
Bonsoir.